Il est bien. C'est de la merde. C'est de la merde. Salut les balécouilleurs, salut les balécouilleuses, et bienvenue sur la chaîne avec le balécouilleur. Les balécouilleurs et les balécouilleuses, il faut que je vous raconte une petite anecdote. C'était il y a environ 3 kebabs électriques irlandais. Je me souviens, je me lève, et là je commence à fumer des sabres laser en forme de Twix nucléaire en slip. Et là j'entends ma PlayStation 3 qui commence à faire des bulles nucléaires à base de calculatrice à la mayonnaise. Et là je vais voir dans le couloir, en tracteur tondeuse fabriqué par Mercedes, c'était des Bugatti. Je me vois moi-même en train de faire du jogging avec Bruce Willis, qui lui prend un fil électrique en 3D au camembert, et il commence à faire du kebab avec. Et oui, parce que Arnold, lui, a cru que les sabres laser étaient faits en fait en peau de kiwi français. Et là, je commence à réfléchir et je me suis dit, c'est pas une coïncidence. Parce que quand j'ai fait la fête avec ma Nintendo Switch chez Bruce Willis et Wolverine, en spaghetti, ça m'a fait traverser un mur invisible qui permet de soulager les DVD érotiques de Francis Lalanne. Et Jean-Claude Van Damme a reconnu que le plastique de Will Smith, qui permet d'atteindre 88 miles à l'heure par banane métallique, permet aussi de fermer la porte des étoiles de tous les protagonistes. Et là, les prostituées en adamantium de Francis Lalanne, de Patrick Chirac et de Keanu Reeves m'ont permis d'avoir Netflix en chocolat seulement le 4 mars en slip. Là, il y a mon cousin Mathieu qui arrive déguisé en kangourou qui nous sépare, moi et Ben Laden. C'est comme ça que les ballons de baudruche en slip, rouge, mauve, m'ont permis de devenir milliardaire. Et c'est comme ça que je suis devenu le balécouilleur. À cause de mon oncle Patrick. Encore une coïncidence. Voilà. J'espère que cette petite anecdote vous a plu. Je sais, c'est un petit peu tabou, mais je l'ai enfin dévoilé. Je vous dis à la prochaine et à bientôt.